Au basket, comment s'étirer finalement? Et est-ce que c'est vraiment important de s'étirer? 50 000 abonnés, on l'a fait et je vais pas vous lâcher. Et je vais continuer de vous coacher en ligne, t'inquiète pas. Et j'ai même un serveur Discord qui est disponible dans la description en bas. Et là, je vais t'aider encore plus, encore plus, encore plus. Alors d'après toi, et mets-moi en commentaire, l'étirement juste après un entraînement, c'est bien? Ou est-ce qu'il faut attendre 2 à 3 heures? Mets-moi ça en commentaire et on voit les gens ce qu'ils en pensent. Sinon, mets pause ou alors je te laisse 2-3 minutes pour y répondre. Je vais te donner la réponse et t'expliquer cela au cours de la vidéo. Alors c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin quoi. Alors, au basket, on utilise principalement le bas du corps et également, ouais, c'est vrai, le haut du corps. Bon, alors du coup, il va falloir étirer tout ça. Et surtout, comprendre que grâce à ces étirements, tu vas gagner en puissance énorme. Et mais c'est énorme. Ah ben, je m'y attendais pas. Mais je vais t'expliquer, c'est bien beau de dire ça. On va prendre l'exemple d'un élastique et tu imagines que l'élastique, c'est ton muscle. Donc moi, j'ai trouvé ça comme un string. Hein. C'est le string à matata. Donc voilà, on est bon. Non, plus sincèrement, hein, j'ai trouvé ça comme élastique pour t'expliquer. Donc imagine que ça, c'est ton muscle. Donc là, imagine tu l'as jamais étiré ton muscle, d'accord? Tu l'as jamais étiré, boum, tu fais une action, tu sautes, hop, il saute. Et puis là, ton étirement, d'accord? Ton muscle, tu viens vraiment le tirer, ça rase beaucoup d'un seul coup. Crac! Même moi, j'entends un petit truc à casser. Pourquoi? C'est parce qu'à l'intérieur, t'as un petit élastique, un minime, hein, qui se pète. Voilà, et à la force, t'en as 2 qui se pètent. Et à la force, t'en as 3 qui se pètent. Parce que, d'accord, tu ne t'étires pas souvent, il n'est pas habitué ton muscle. Et du coup, ce qui fait que ton élastique, après, il est pourri, mon chef. D'accord? Bah, c'est comme ton muscle. Après, voilà. Bon, c'est sûr qu'il faut que ça met longtemps pour que ça soit à stat-là. Mais en tout cas, tu crées des petites... Comment je peux expliquer ça? Pas des hématomes, mais des... Je sais pas, ça se casse en tout cas. Il y a des petits trucs qui se cassent. Donc, c'est compliqué d'avoir un muscle au top de sa forme. C'est pour ça qu'on étire vraiment son muscle le plus souvent possible pour que ces fibres-là ne pètent pas finalement et que ton muscle puisse gagner de plus en plus. Parce qu'un élastique, si tu remarques, plus tu chauffes, plus il va pouvoir aller plus loin. Bon, là, je triche un peu parce que c'est un élastique qui est compliqué. Je sais même pas si c'est vraiment... Enfin, c'est un élastique différent, mais imagine bien l'élastique, quoi. Hein, je sais pas si tu comprends. Voilà. Donc, voilà. Plus tu vas aller chauffer ton truc, plus ça va tirer. Plus tu vas pouvoir aller loin. OK? Et du coup, un élastique, si là, je le lâche, d'accord? Admettons, tu t'es bien étiré, d'accord? Mais pas assez encore. Mais je t'explique. Si tu t'étires pas beaucoup, presque jamais, tu fais de la muscule, hein. Tu suis tous les programmes. T'es au top. Tu suis tout ce qu'on t'a donné. Et regarde, l'élastique, hein. Tu t'es jamais étiré, du coup. T'entends le hop. Par contre, ton muscle, comme tu l'as étiré beaucoup, tu vas beaucoup plus loin. Tu vois, déjà là, c'est déjà plus puissant. Et là, si je vais comme ça, bah, c'est encore plus puissant. La puissance de ton muscle et ton élastique, tu comprends le rapport entre les deux. Plus tu vas étirer ton muscle, donc plus il va pouvoir s'étirer loin. Et plus quand la... Et bah ça, c'est la puissance. Tout simplement. Attention, on va me dire, oui, alors tu sais les gens qui ont toujours le mot à tout quand tu leur dis quelque chose. Oui, mais attention, trop s'étirer. Alors oui, c'est vrai, ils ont raison. Il faut pas trop s'étirer non plus, comme un gymnaste ou autre. Mais déjà, 3-4 fois par semaine, gros, ça sera parfait, en tout cas pour ton sport et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo, que je vais vous montrer quelques exercices qui sont importants. J'espère que cette manipulation a pu vous montrer les choses, parce que moi, je la comprenais pas, et puis on m'a montré bien l'élastique, puis j'ai compris. Alors du coup, va pas chercher, hein. On m'a appris ça et du coup je vous le rapprends en vidéo. Voilà, y a pas plus simple les chefs, y a pas plus simple. Le savoir on le transmet et moi je le remets jusqu'en image et tout. Mais c'est quand même fou, tu dis oui voilà. Ton muscle, tu comprends pas pourquoi tu dunkes pas. Bah oui, tu l'étires jamais ton muscle. Tu comprends pas pourquoi t'es nul à faire ton shoot, tu galères à tirer loin. Tu l'étires jamais ton muscle. Tu fais de la muscu là, oui t'es carré. Bah oui, mais par contre la puissance elle y est pas. Du coup voilà. Ça c'est puissant, ça c'est du dunk, ça c'est du airball à côté, ça c'est du cassage de planche. Voilà. Non mais t'as compris quoi. C'est ça mon coco qui est important, c'est que t'as compris. C'est que t'es compris. C'est qu'on a compris. C'est que vous avez compris. Et que c'est que ça fait mal quand je me fouette avec un élastique. Le premier étirement que vous allez voir, c'est le quadriceps. Donc celui-là, je te garantis qu'il est relou. Tu prends ta jambe, tu la mets derrière toi, ça te casse la tête, ça casse la tête à tout le monde. Non, moi ça va, machin, je vois déjà venir dans les commentaires. Oui, peut-être. Mais généralement, c'est relou. Mais j'ai un petit exercice qui va vraiment bien étirer tout ton quadriceps. Quadriceps, 4 muscles. Hein, donc voilà, et ce qui n'est pas négligeable. Donc il faut se mettre contre un mur, d'accord, genou au sol, hein, et le talon, voilà, la jambe bien contre le mur, et tu viens venir te surélever comme ça et venir aller chercher derrière, voilà, ça va tirer.
Okay. Déjà, si t'en es là, c'est déjà ouf, d'accord. Petit à petit, tu vas avoir du mal, mais t'essayes de tenir dans cette position-là, hein. Voilà, c'est très... Ça, soit tu peux te mettre ici, donc tu mets ton genou là, comme ça, ça te laisse un petit peu debout, hein. C'est-à-dire que tu mets ton genou là, comme ça, tu vois, là, il est posé, mon genou, tranquillou. Et puis là, tu tires le quadriceps. Voilà, ça c'est l'exercice que tu peux faire. Tous les exercices d'étirement que je vais te montrer, c'est aussi mental, également écoute de ton corps et tout ça. Donc il faut que tu inspires, expire, tu te concentres. Ça sert à rien de faire tes étirements si à côté il y a je sais pas qui, Dominique qui crie, qui joue avec elle. Oh, foiré, tu casses la tête. Non, ça sert à rien. Il faut que tu sois concentré, à l'écoute de ton corps, vraiment concentré. Qu'est-ce que tu étires ton quadriceps, tu le sens bien là, voilà. Ça sert à rien non plus de le tirer, le défoncer, parce que de toute façon, tu vas venir le faire régulièrement et c'est là que tu vas gagner de plus en plus en puissance comme l'élastique et pas venir le défoncer d'un seul coup pour casser des fibres justement et puis qu'il soit pas puissant et puis tu vas lui faire mal gros. Alors le temps qui est nécessaire à tous les exercices que je vais te donner c'est environ 45 secondes, d'accord, tu tiens 45 secondes et tu le fais 3-4 fois sur chaque membre, ok. Donc voilà, donc ça c'est le général. Maintenant si t'en galères car complètement 45, peut-être tire déjà moins sur ta jambe ou sinon bah viens à 30 secondes, ça sera très bien, voilà. L'autre étirement ce sont les mollets. Ok, tu viens tirer tout ce qui est mollet. Donc là, tu te mets sur un mollet, comme ici. Boum. Donc là, vous avez vu dans cette vidéo-là, je suis vraiment un appui contre le mur. D'accord. Le mieux, c'est de mettre les deux bras comme ceci et de venir rester sur un pied et de venir souffler. Si ça ne tire pas assez, tu vas chercher beaucoup plus loin. Tu mets ton pied beaucoup, beaucoup plus loin et boum. Et là, tout va bien. C'est carré. Quadriceps, on a étiré mollet. Maintenant, on va venir étirer, d'accord, l'iliac. Ok, Cyril, l'iliac. Cyriligne. La blague est nulle ? Non. Le psoas iliac en tout cas. Le psoas iliac, d'accord, donc ça, ça prend énormément. Si tu trouves, tu sais même pas ce que c'est, mais je t'explique, c'est un muscle qui prend énormément des coups, enfin des coups, c'est-à-dire qu'il... Toutes tes réactions, tes machins, ça vient se centrer ici. Donc là, je vais te montrer. Et du coup, ça, faut l'étirer également. Ah, il faut l'étirer, c'est hyper important, je sais. Je sais même pas si t'en as entendu parler, mais j'espère que ton coach t'en a parlé quand même. On peut aller chercher beaucoup plus loin devant. On vient les fesses les baisser, on plie. Là, on sent une tension, d'accord, au niveau justement du psoas iliac. Ok, le muscle qui est rattaché entre ici et là. Alors, il y a peut-être L1, L2, j'en sais rien comment ça s'appelle. Et tu viens lever le buste comme ça, droit. Tu peux aussi aller chercher avec ton bras plus loin pour sentir les aisselles. Non, mais en tout cas, voilà, pour vraiment étirer beaucoup plus. Ça, c'est un étirement qui est très important au basket. Donc, on n'hésite pas à le faire et c'est très important, ok. Donc, voilà, là, on tire comme ceci. Boum, 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 c'est efficace. Voilà, on tient 45 secondes comme ça sans forcément donner d'un coup. Et on change, voilà, et là, on fait un coup gauche, un coup droite et ça sera parfait. Joint comme ceci, dégagé. On met les pieds joints ici, comme ceci, et on vient descendre. Voilà, et on touche. Si on peut pas toucher, on s'arrête là et on souffle. C'est pas grave, voilà, on souffle correctement. Ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, on peut prendre et que ça touche et qu'il n'y a rien, on prend un poids dans les mains. Donc on se met sur un escalier et puis on se met, voilà, comme ceci, où on va tenir le poids et ça va nous faire descendre un peu plus. Voilà, ça c'est l'étirement en tout cas pour étirer les ischios, le bas du dos et tout ça. Ensuite, j'en ai un autre que je kiffe également. Je sais pas si vous êtes pour le voir. On se met comme ça. Et là, c'est pour étirer aussi le bas du dos. Boum, on tend une jambe, on enlève une, on vient fermer là. Nos épaules ont tendance à suivre comme ceci. Et là, on va venir ramener nos épaules et souffler. On va sortir une torsion ici, c'est ça qui est intéressant. Et on souffle, et on va chercher de plus en plus loin. Voilà, on tire ça. On fait de chaque côté. À gauche, là, comme de ce côté-là à gauche, on va dire, bah, tu fais... 45 secondes, de l'autre côté 45 secondes, 3-4 fois, à toi de voir. Voilà. Pour étirer tout ce qui est là, le comment ça s'appelle ça déjà, je sais même plus. Le fessier, on va dire. Le fessier. Donc là, on va se mettre comme ça. Là, on vient se pencher en avant comme ça. Et là, normalement, ça tire ici, d'accord, le moyen fessier. Voilà, c'est le moyen fessier, on vient les tirer. Et là, on le tire. Voilà, parce qu'il faut savoir que pour le basket, ce qui est important quand même, on a tendance à... On se dit les tendinites, le jump et tout ce qui est important, on va dire, c'est les pieds, avoir l'explosivité au niveau des pieds et un beau tonus au niveau du fessier également. Donc tout ce qui est au niveau ici, c'est important et les pieds, au niveau des pieds, c'est important. Bon, je dis pas que là, c'est pas important, il le faut aussi, hein, sinon tu vas ressembler hein, tout simplement à un coton-tige. Mais non, non, il faut en tout cas étirer ceci, bien souffler.
Inspirer, expirer. Voilà, ça c'est très important. De ouf. Et je pense que tu vois, ce genre de vidéo, je pourrais le faire avec un micro cravate au milieu d'un terrain de basket et puis vous parler en même temps, je serais plus à l'aise en même temps. Je tiendrai pas de caméra, une caméra au loin, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez bien partir sur des formats comme ça pour que je puisse bien vous expliquer, même sur des. Quand j'entraîne ou quoi, ça peut être un délire, un vrai délire, un vrai délire. Donc là, vraiment, ça c'est les étirements basket qui sont, d'accord, vraiment importants. On fait ces étirements-là, hein, voilà, et tu verras qu'au basket, tu auras beaucoup plus. Déjà, si tu le fais régulièrement, tu vas gagner en puissance, ok? Et ça, c'est très important, mais c'est pas négligeable du tout. Et je compte sur vous pour vraiment, vraiment vous y pencher et pas croire que faire de la force, on va dire vraiment, que casser vos muscles pour que ce soit plus gros, plus fort, ça ne fera pas de vous les meilleurs joueurs. Faut le savoir, parce que sinon ça serait les bodybuilders, ça serait les meilleurs joueurs de basket. Voilà. Alors en tout cas, j'espère qu'on se reverra à la prochaine vidéo, que vous serez toujours présents, aussi actifs, à partager les vidéos, à être toujours sur Discord également, et puis voilà les gars. Donc voilà, la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle a été complète. Enfin ça, c'est les étirements que tu peux faire quand tu fais du basket, en tout cas. Voilà, bon, tu peux les faire aussi quand tu fais d'autres sports, c'est sûr. Mais comme nous, on est basé sur le basket, ce sont des étirements plus spécifiques basket. Et voilà, parce que c'est une chaîne de basket, et on kiffe ça, et des exos comme ça, c'est en or. J'espère que vous les garderez bien au chaud, et que vous n'hésiterez pas à les transmettre à d'autres personnes également, pour qu'ils s'améliorent dans le basket. Et la méthode de l'élastique, au moins, ça permettra de toi comprendre et d'expliquer aux autres. Le bouton t'abonner, le petit like, ça ferait grave plaisir. Et n'oublie pas un petit truc, je te mets différents titres en dessous et dis-moi tout simplement sur quel titre on part. Hein, ça serait kiffant de savoir un peu où on va, où la chaîne YouTube va se diriger sur la prochaine vidéo, quoi, tout simplement. Et aussi, t'oublie pas, la chaîne, maintenant on a un Discord. Et le Discord, on parle de tout. Du dingue si t'as du mal, des étirements s'il y a des trucs que tu arrives pas, que tu comprends pas. Ou alors tu as des exercices à donner également parce que tu sais que ça a bien marché. Bah tu le partages, c'est un serveur, on parle de basket et on parle aussi de choses qu'on a besoin d'aide. Donc voilà, ça peut être le dunk également et il y a déjà beaucoup de personnes, c'est énorme. Et je comprends déjà pas pourquoi tu n'es pas encore là gros. Eh ouais. En tout cas, on se rejoint pour la prochaine vidéo. J'espère que vous serez présents. Salut à Delta Family. Merci encore. Ceux qui vont regarder cette vidéo, en tout cas, vous allez voir que vous allez progresser beaucoup plus que ceux qui se focalisent que sur le dunk, shooter de loin. Il y a plein de petits trucs dans mes exercices et vidéos que je vous donne qui sont vraiment intéressantes. Et vous allez progresser plus que les autres. Les autres, tant pis pour eux.